Aujourd'hui, nous sommes le mardi 11 février de la cinquième semaine du temps ordinaire et nous faisons mémoire de Notre-Dame de Lourdes. En union avec tous les pèlerins qui se rassemblent à Lourdes, pour se confier au Seigneur de la main de Marie, je commence aujourd'hui ma prière. Je me place moi aussi comme pèlerin, en chemin vers Dieu, le cœur ouvert à sa présence et à sa grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le foyer de charité d'Autreau chante « Réjouis-toi, Marie ». Jésus, par qui toutes choses furent créées, et qui a voulu prendre chair en toi, Vierge Marie, pour combler de sa grâce et de sa joie, toute la création. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 8 du premier livre des Rois. En ces jours-là, lors de la consécration du temple, Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière. Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas. Car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, c'est ici que sera mon nom. Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. Le premier livre des Rois nous offre aujourd'hui la prière du roi Salomon.
à l'occasion de la consécration du temple. Rêvé par le roi David, son père, le temple de Jérusalem s'achève sous le règne de Salomon. Devant l'œuvre accomplie, Salomon se met en prière. Je contemple le roi d'Israël, humblement agenouillé devant le vrai roi. La prière de Salomon est humble, faite avec des mots tout simples, sortis du cœur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu gardes ton alliance et ta fidélité. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple, Israël. Ouverture, abandon, confiance. Je demande la grâce d'apprendre à prier comme cela. Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie, s'exclame Salomon. Ce temple, bâti par lui, n'est qu'un moyen de servir le Seigneur et de lui rendre gloire. Et moi, qu'est-ce que je fais de ce que je construis, de ce que j'achève? Je travaille pour la gloire de Dieu ou pour la mienne? J'écoute à nouveau l'humble prière du roi Salomon, en restant sur un mot, une phrase qui me touche particulièrement. En ces jours-là, lors de la consécration du temple, Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière.
Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas. Car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit « C'est ici que sera mon nom ». Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. En toute simplicité, j'offre au Seigneur ce qui m'habite à la fin de cette prière. Un sentiment, un désir, mon humble prière. Je peux me confier aussi à Marie, l'humble servante du Seigneur, qui intercède pour nous auprès de Dieu, particulièrement aujourd'hui. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.